Et je suis également une maman entrepreneur. Je suis coach en amour de soi et en confiance en soi. Donc j'accompagne les mamans solo à pouvoir s'accomplir pleinement dans leur vie, à s'épanouir pleinement, à maximiser leur potentiel et à libérer leur énergie féminine sans complexe. Nous voilà pour cette topic du jour. Let's go. Ok. Alors, pour l'essence féminine, j'avais posé la question à plusieurs divas dans la communauté pour savoir qu'est-ce qu'était l'essence féminine, qu'est-ce que c'était pour vous. D'accord? Donc, parmi les réponses, on a eu quand même que l'énergie, cette essence féminine, c'est une énergie quand même qui nous permet de rayonner en tant que femme, qui nous inspire, qui nous guide, et que c'est aussi une connexion avec la terre-mère. Et c'est vrai, ça fait partie de nous, cette essence féminine. Nous sommes connectés à la terre-mère, ça c'est vrai. On est connectés à la terre-mère, on fait partie de la terre, d'accord? Nous sommes issus de la terre, donc nous sommes liés à la terre, et je pense que des fois vous le ressentez quand vous avez ce besoin-là de souffler, de vous reposer, quand vous sentez que vous avez le besoin, quand vous êtes en nature, de pouvoir marcher pieds nus, quand vous ressentez que vous avez besoin de marcher pieds nus, de vous connecter vraiment, de toucher le sol, d'être en lien avec le sol, et ça, c'est vraiment votre essence féminine, ça fait partie de vous, l'essence féminine fait partie de vous. Et je vais vous expliquer vraiment sur quel point précis. Donc déjà, sur votre énergie féminine, votre essence féminine fait partie de cela. Donc l'essence féminine est liée à l'énergie féminine, donc je vous rappelle qu'il vous permet d'être dans votre vulnérabilité, dans votre douceur, dans votre lenteur, dans votre sensualité, dans votre beauté intérieure que vous faites rayonner. Il y a aussi l'essence féminine qui passe aussi par l'être, par le fait d'être en phase avec nos cycles menstruels qui font partie aussi de notre essence féminine. Parce que, n'oublions pas, les cycles menstruels sont là pour une raison bien, bien précise. Pas seulement pour faire en sorte que notre corps fonctionne bien, mais aussi pour qu'au niveau de notre état d'être, que nous puissions être capables en tant que femmes de pouvoir à chaque phase de nos cycles menstruels, d'être capables de pouvoir accepter, être bien avec notre personnalité, avec notre être, avec notre corps physique, avec notre corps émotionnel, avec notre corps spirituel, ça nous permet d'être en phase, cette essence féminine, avec nos cycles menstruels, voilà, et de les prendre vraiment comme un moyen de nous renouveler, nous réénergiser, je dirais, à chaque cycle, à chaque phase du cycle, tout simplement, et puis de le vivre avec l'acceptation de soi et la douceur avec soi, surtout. Ok, un autre point encore qui est essentiel pour l'essence féminine, c'est vraiment que votre essence féminine, en fait, c'est une énergie, mais c'est surtout une source. C'est une source illimitée. Donc, votre essence féminine, elle est illimitée. Que vous puissiez vibrer dans votre vie, être dans votre vie, plutôt dans votre énergie féminine, ou que ce soit dans votre énergie masculine, ça dépend. Mais votre essence féminine, vraiment, c'est une source intarissable. Illimité, vraiment, c'est une source qui coule au-dedans de vous, depuis votre conception jusqu'à voilà, jusqu'à ce que vous puissiez aller vers une autre phase après la mort. Voilà, c'est vraiment tout ce qui fait que dans votre cycle de vie, c'est une source qui coule en vous, qui abonde en vous à chaque instant. D'accord? Et vraiment, l'essence féminine, c'est aussi le fait de pouvoir assumer, oser, d'être femme dans toute sa puissance, vibrer, de ressentir tantôt physiquement, tantôt spirituellement, tantôt émotionnellement, ça aussi c'est dans l'essence, et de comprendre en fait, quand je dis qu'on est femme dans toute sa puissance, hein, on est femme, 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 donc femme, F de femme, mais aussi l'âme, et aussi l'âme, donc l'essence féminine c'est aussi notre âme, c'est ce qui nous prend là, qui est là, dans notre source, c'est notre âme, c'est notre puissance, c'est une énergie qu'on puise ici et qui nous permet d'avoir en nous la guérison, qui permet d'avoir en nous l'amour, qui permet d'avoir en nous la résilience, qui permet d'avoir en nous la bénédiction, qui permet d'avoir en nous l'abondance en fait. Et que toute cette puissance,
choses de ça, tout ce qu'on dégage, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut manifester, tout ce que l'on peut produire, tout ce qu'on peut créer vraiment et faire exister part de notre essence féminine. Voilà, dès qu'on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui mentalement se développent. Il y a beaucoup de choses dans le monde naturel aussi qui arrivent, qui se manifestent parce qu'on l'a compris dans notre essence féminine, on l'a compris aussi spirituellement, dans notre essence féminine, qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se déclenchent et que tant qu'on ne les déclenche pas intérieurement, extérieurement, il ne peut pas avoir de réponse, il ne peut pas avoir de réciprocité, tout simplement. Voilà les divas, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et très pertinente. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits messages pour le prochain thème, pour le prochain week-end. En tout cas, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas.